Président du CNT, à son Excellence, Monsieur le Général de Brigade, Sékouba Konaté, Président de la Transition, Président de la République par intérim, Ministre de la Défense Nationale Conakry. Excellence, Monsieur le Président, en application de vos instructions et conformément à la lettre de mission du CNT, j'ai l'honneur de soumettre à votre très haute autorité les documents ci-après. 1. La liste des membres statutaires du CNT. 2. La structure du cabinet de la présidence du CNT. 3. La liste des membres du cabinet. Excellence, Monsieur le Président. En effet, à l'examen de la clé de répartition issue des accords de Ouagadougou, il ressort que certaines structures socio-professionnelles et acteurs potentiels de la transition ont fait l'objet d'omissions involontaires quant à leur représentativité au sein du CNT. Pour corriger cet état de fait, et conformément à vos instructions, nous avons élaboré une liste unique qui tient compte de ces omissions préalables. Du cabinet de la présidence du CNT, comme toute administration, le Conseil national de la transition doit, dans le cadre de son fonctionnement, disposer d'un certain nombre de cadres chargés d'animer les différentes structures de son administration. À cet égard, j'ai l'honneur de soumettre respectueusement à votre autorité le projet de structure du cabinet avec le nom des cadres devant occuper ces différentes fonctions administratives. Avec l'espoir que ces différentes propositions auront votre assentiment, nous vous prions de croire à l'expression de notre très haute considération. Le bureau du CNT, la présidente, Hadja Rabiatou Sierra Diallo.